Le circuit des Belvédères vous permet, avec des départs multiples de Tain-l'Hermitage, Gervans, Serves-sur-Rhône et Hérôme, de circuler à travers cet exceptionnel vignoble et d'avoir des points de vue uniques sur cette belle région de la Drôme. Les balcons de l'Ermitage ont une histoire géologique différente du reste de la Drôme car ils sont nés d'un morceau du massif central granitique isolé par le Rhône. Ainsi, c'est l'action de ce fleuve majestueux qui a créé cet îlot de l'Ermitage que vous pouvez contempler au gré des randonnées. Berceau du fameux vin de l'Ermitage, avec des vins connus depuis l'Antiquité, le pays de l'Ermitage est autant propice à la découverte qu'à la dégustation. Sur les célèbres terrasses en pierre sèche, patiemment aménagées au fil des siècles, profitez à la fois du paysage et de la beauté du vignoble. Parvenu au belvédère de Pierre-Aiguille, recouvert d'une flore préservée exceptionnelle, vous arriverez à un point de vue unique sur le Rhône. Son panorama comprend les plateaux ardéchois, le mont Gerbier de Jonc, le mont Mézan et le mont Pilat à l'ouest et au nord, la vallée du Rhône au sud, le fleuve est situé à 200 mètres plus bas, la Drôme des collines et la plaine de l'Isère avec au loin les massifs de la Chartreuse, du Vercors et le mont Ventoux à l'est. Avec le belvédère de la chapelle de Tournon, un verrou ferme la vallée et concentre le flux migratoire, notamment par vent du nord. Le dégagement visuel est de près de 360 degrés. La chapelle Saint-Christophe fut construite en 1864. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis le 10 janvier 1934. La légende locale laisse entendre qu'elle aurait été érigée à l'emplacement d'un ancien temple romain dédié à Héraclès, précédant à une première chapelle. Cette chapelle primitive, mentionnée dans les textes de l'an 1100 comme chapelle d'un prieuré rattaché à Saint-André-le-Bas de Vienne, aurait accueilli le chevalier Henri Gaspard de Sterimberg au XIIIe siècle, à son retour de la croisade des Albigeois, pour y faire retraite. Il y planta la vigne afin de produire un vin à l'usage des pèlerins et des voyageurs. À ce jour, ce magnifique panorama apporte à la vallée du Rhône un aspect de délicatesse. Cette vue imprenable dégage une forme de solitude où s'entremêlent légèreté et pureté. À cet endroit, la Drôme vous offre en même temps l'Ardèche où se partage l'effervescence de vignobles pour vous rendre ivre de bonheur.